Salut tout le monde! Je viens de me réveiller et il n'y a personne. Les deux Jérémy sont partis chercher le gâteau d'anniversaire de Jérémy. Ça va être compliqué parce que c'est son anniversaire. Donc Jérémy, notre invité. Et du coup, moi, je suis en train de tout ranger l'appartement parce que comme d'habitude, c'est le bazar. Donc on a mis toutes les serviettes hier à sécher, les draps et tout. Et c'est vrai que sans la fenêtre ouverte, nous c'est super humide, du coup ça sèche pas. C'est trop galère. Du coup voilà, on va les attendre. Après, je pense qu'on va... Je sais pas, on va pas manger tout de suite parce qu'il doit être 10h30, tu vois. Regardez-moi ce beau gâteau d'anniversaire. Du coup, je me suis préparée, les garçons sont revenus. La fifille est demande d'école, hein? Oh ma fille! Et bien sûr, à son vacances, je le... Bien sûr! On dit bonjour les garçons! Salut! Ouais, j'ai complètement zappé de commencer le vlog ce matin. Du coup, c'est May qui a commencé. Enfin, vous avez rien loupé, on est juste parti. Enfin, si, on est parti chercher le gâteau de Jerem. Un bon gâteau au chocolat. Je sais pas si May vous l'a montré. Ok. Et du coup, bah voilà, on s'est réveillé. Jérémy est là. Il est réveillé aussi. L'homme qui n'en a rien à On dit foutre de joyeux la vie. anniversaire à Et on Jérémy! dit joyeux anniversaire à Jérémy parce qu'aujourd'hui, on est le 25 et c'est son anniversaire. Ce petit gaillard. Actuellement 22 ans. Je suis actuellement le plus petit, le plus jeune, je veux dire, de l'appartement. C'est-à-dire que May, elle a eu 22 ans le 5 juin. Jérémy, il a eu 22 ans, bah là, le 20, le 20, non, le 5, le 25. Et bah moi, ce sera que le 16 juillet. Donc voilà, j'ai l'air con. Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Tous avec moi! Joyeux anniversaire, Jenny. Joyeux anniversaire. Pour tes deux grands. Passe le gâteau, s'il te plaît, parce qu'on a. Un, deux. Après avoir soufflé. Non, c'est avant d'avoir soufflé, et ensuite, si tu souffles plus d'un coup, ton jeu sera réalisé. Allez, alors, toi, passe le gâteau. Le dit cadeau. Gâteau. Cadeau. Voilà ton cadeau. Un bon Deux en gâteau un, au cadeau, chocolat. Cet homme va le manger. Cette femme va le manger. Ce jeune va le manger. Oh! Le skill. Ah! Et bien re tout le monde, après avoir passé l'anniversaire de Jérém, on part en direction du laser game ou du bowling, ça dépendra du nombre de personnes qui auront au laser game. Il fait pas assez chaud pour se baigner, on devait peut-être aller se baigner et tout, mais il fait pas assez chaud. Il fait bon, mais il fait pas assez chaud. Et du coup, bah là, on part en direction du laser game. T'es content? On va faire un laser game. On va être dans le noir. On va se rappeler ce fameux 1er janvier. Ce fameux 1er janvier où on a cru être bourré, mais on était totalement conscient de ce qu'on faisait. L'alcool peut faire beaucoup de choses. Non, c'est ce qu'on a cru, on l'était pas. C'est faux. On savait très bien ce qui allait se passer. Mais c'est lui qui a fait la femme. Et y'a May qui arrive là-bas. Tu veux mettre des trucs dans le casier? Moi. J'arrive deux secondes. Bon bah voilà, on a fait la partie de Laser Game. Et on est tous dans un état déplorable. Je suis le premier de l'équipe, mais c'est pas Il grave. Fait chaud, il fait chaud de ouf. T'étais le seul de l'équipe? Je suis le premier de l'équipe. De nos trois ou de vert? De rouge. De rouge, ouais, mais en même temps, ils étaient ouf. Il y avait des mecs, je suis sûr, ils passent au moins une heure par jour ici. Ils passent leur vie, hein. Genre des mecs, ils tournaient en rond, ils niquaient tout le monde. On n'arrivait même pas à leur mettre un point, quoi. C'était horrible. Et il faisait super chaud à l'intérieur. Va peut-être falloir qu'ils créent des fenêtres et qu'ils aèrent entre chaque partie. Ouais, trop. Ce serait pas mal. Et du coup, voilà, il y avait une bonne musique. Par contre, j'ai bien aimé. Mais par contre, c'était chaud. Il y avait un. Le premier de chez eux, déjà, on va pas se mentir, c'était un lycéen. Même un fin collège, début lycée. Donc c'était un gamin, il a que ça à foutre. Il joue avec normal. Des gamins de toute façon. Et voilà, c'était chaud le mec. Et aussi, petite particularité, on a rencontré un mec. Alors attendez. Il y a un fil, il y a un cheveu ou je ne sais quoi. On n'a pas pu vous le montrer. On n'a pas pu vous le montrer, mais j'ai demandé, je l'ai cherché et tout, un mec qui travaille sur place. Il ressemble à Finn dans Star Wars, le Black. C'est
incroyable. C'est son frère. Mais c'est son frère. C'est mais son on frère. Était tous d'accord. Et je l'ai cherché, impossible de le trouver parce qu'il est en pause. Mais putain, si je l'avais trouvé. Tu t'es fait la honte parce que tu voulais interviewer le mec, quoi. Je voulais pas l'interviewer, je voulais juste me prendre en vidéo avec lui. Bowling. Bowling. Enfin, un billard. On est en bowling, mais attends, pas un billard. On le refait, on le refait. Billard. Billard. J'ai gagné. Putain, à chaque fois je le fais, hein. Le billard, voilà. Je disais donc, on a fait 5 parties en une heure, ce qui est assez rapide, je trouve. On a fait Jérémy, moi contre l'autre Jérémy et tout, on a changé, tu vois. Et après, ouais, tu vois, moi je suis intime. Tu tutoies. Et après, j'étais toute seule contre les garçons. Tu vois. Et j'ai mis la noire dans le mauvais trou, parce qu'il faut annoncer d'abord. Tu vois. Et sinon, j'aurais gagné, tu vois. Tu vois. Tu vois. Ouais, j'ai fait un coup de l'enfer avec ta. Mais franchement, ouais, pas mal. Et bien, nous voilà partis pour le centre-ville pour aller passer la soirée en gros dehors. Ça vous fera du bien. Ça va sortir l'eau de Tintin. Et puis voilà. Normalement, dans le centre-ville, il fera un peu plus chaud. Il fait toujours plus chaud au centre-ville. Toujours. Non, je ne pense pas. Toujours. Always. Oh pardon, t'étais là toi. Always love. Posé au kebab. Biggie. On met sous Biggie, on va manger des frites, du kebab. Des panini. Et des panini pour May parce qu'elle n'avait pas faim. C'est dommage, t'as perdu. Quoi? Oh dur, il est même pas dans la sélection nationale. Je suis trop deg. Je fais de la pub pour Coca-Cola. J'ai le nain. Fanta, Sprite, Perrier et Cristaline. Voilà, comme ça je fais aucune pub. Posé devant le match de foot. On a réussi à trouver une petite télé tranquille et on va se prendre juste 3 Monaco. Le mec il était super sympa. Il nous a dit je vais. Parce que en fait là-bas ces tables là il y avait de la bouche. Enfin il y avait des assises. Il nous a dit non mais je peux tout vous enlever. Je vous fous là, vous pouvez même vous mettre une troisième place là et vous regardez les matchs. C'est pas génial. Allez à la brasserie de Winiver à Tours. Ils sont super sympas. Ah si c'est Winiver. Bah oui c'est Winiver. Mais il connaît rien. Et une nouvelle avis vivante avec nous. Il est trop deg. Parce que la Croatie menait largement le match, ils ont fait de très belles actions et les Portugais ont gagné sur un mauvais moi, je suis la arrivée. Chance quoi. Ah, c'est je suis pour le Portugal, j'ai fait Portugal gagne. Ah c'est le moche, Croatie non, c'est moche. Gagne. Bah, en fait la Croatie a mené tout le match, ils ont fait de putain d'actions et tout. Le problème c'est qu'ils ont pas réussi à bien viser. Et les Portugais ils arrivent, ils tirent, ça rentre pas et l'autre derrière forcément il y avait aucun défenseur. Bah voilà. Franchement je suis déçu. On a gagné. Parce que je suis pas déçu pour la Croatie, je suis déçu parce que les Portugais ont eu de la chance. On a gagné. Shooter. 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 Posé. Shooter. C'est un drone. On a vu. Je teste. Oh. Portugal, c'est de la merde. C'est la deuxième tournée. Et je crois que May y a un peu de mal. Non, tout va bien. En fait, avec Manon alias Sony, on s'en est bien tiré. Mais genre easy, vraiment easy. On a dû lâcher Jérémy parce qu'il a des problèmes au niveau de ça. Et il aurait tenu sinon. Mais alors, elle. Je suis fatiguée, ok. Ouais. Longtemps que j'ai pas vu, c'est normal.
Allez filmer là. On est 4 tables les gars, parfait. Non mais c'est bon. Arrête. Bon voilà, on est bien rentré, on a passé une bonne soirée. Du coup là on va aller se reposer parce que demain on attaque à... On se lève tous vers à peu près 9h30-10h. Jérémy part à 10h55. Nous aussi on va chez ma grand-mère, il y a repas de famille. J'espère pouvoir vous sortir quelques vidéos de là-bas. Ça me ferait plaisir, je vais demander, je vais leur demander, etc. Et du coup Easy. Je monte pas le bas de ton corps. Je monte juste le haut, voilà. Parce qu'il est torse nu. Du coup je vous souhaite à tous une très bonne nuit. Enfin, alors on regarde cette vidéo, pour moi il est 00h40. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne nuit, ou une bonne soirée, ou une bonne journée. Voilà. Allez, bisous, ciao tout le monde. Un petit bisou de May. May, qu'avez-vous à dire? Quand elle est bourrée. Bien entendu, n'hésite pas à aller liker ma page Facebook. N'oublie pas de me follow sur Twitter et surtout abonne-toi à ma chaîne YouTube afin de voir mes autres vidéos. Allez, ciao.